running throttle because the feeling, you know, the rear guard. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau championnat entier sur la saison, bah cette fois-ci 99, avec le jeu Formule 1 99. J'en avais parlé sur la vidéo de Gran Turismo 2 en live. Et donc nous allons faire une nouvelle saison avec... je me suis dit, on avait fait quand même une saison avec une Sauber sur la saison 97, on l'avait fait avec Stewart aussi, on avait fait une saison avec La Rose pour la saison 2001, il me semble, 2000. On avait fait une saison avec Tyrrell, on avait fait une saison avec, je sais plus, Footwork aussi, avec la saison 95, ou Simtech, je sais plus. Bah écoutez, cette fois-ci, le scénario va être celui-ci. Nous allons donc utiliser comme... voiture la barre, nouvelle arrivante en 99, hein, voilà, remplaçant deux Tyrrell. Sauf que au lieu de prendre Zonta ou Villeneuve, nous allons prendre Mika Salo, qui d'ailleurs avait fait une pige chez Ferrari la même année, en 99 chez Ferrari, et aussi chez BAR, remplaçant Zonta qui s'était planté, il me semble, au Grand Prix du Brésil. Donc nous allons prendre lui. Je vous explique un petit peu les tenants aboutissants du championnat. On va faire des courses de 10 tours. On n'a pas 15 tours, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais on a 10 tours, 20 tours, et 20 tours, c'est un petit peu long. Sachant qu'on est en mode de difficulté difficile, on a les accidents qui sont activés, les dégâts qui sont en complet. Donc les dégâts, c'est un peu une nouveauté aussi par rapport au F1 97 ou 98. On a donc 10 tours, l'IA se rend difficile, on garde réaliste au niveau de la météo. Pas de gestion de carburant et de pneus, puisque de toute façon 10 tours c'est un petit peu suffisant. Il y a les drapeaux, on va pas les mettre. La résistance des pneus, on s'en fiche. L'assistance de gris, il n'y en aura pas. Et donc, bah écoutez, c'est parti pour une nouvelle saison. Cette austérité dans ce jeu, c'est incroyable. Bon bref, c'est parti. J'espère que le jeu ne va pas crasher. C'est déjà arrivé. J'ai fait les tests un petit peu avant et malheureusement le jeu avait planté, donc... j'espère qu'on pourra faire les courses au fur et à mesure et que ça ne posera pas de problème. Alors, on va faire directement des qualifications. On peut régler la voiture, donc on a un Melbourne. Alors, pour Melbourne, ce que je propose, alors évidemment, on n'a pas d'aide, hein, faut pas déconner non plus. On va prendre une réglage joueur 1. Aileron avant, on va mettre l'aileron haut. L'aileron arrière haut, puisque ben, on est sur un circuit qui est plutôt réduit en termes de vitesse de pointe. Les suspensions, on va les mettre moyennes. Pourquoi on les met dures, je sais pas. Équilibrage de freinage. Front, on va regarder à 59. Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'arrière freine un peu trop. Voilà. Le rapport de vitesse moyennement long. Alors, on aurait pu mettre faible, hein, limite. Mais bon, on va laisser comme ça. Et on va prendre des pneus sec tendre. Comme ça, on aura le meilleur grip possible. Et donc, on est parti pour les qualifications. Alors, au samedi, on avait aussi la séance du matin. On va faire la qualification directement. Pas de modification de grille. On touche pas à ça, évidemment. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et on est parti. L'Albert Park de Melbourne devrait faire l'unanimité. La piste serpente autour d'un lac et traverse le parc de la ville. Alors, on va avancer un peu le temps. Comme ça, on pourra comparer avec d'autres pilotes. Ouais, on voit qu'il y a du monde. Il n'y a personne. Donc, on va faire rejoindre la piste. Donc je vous rebalance sur la vidéo de la saison 99 pour plus d'informations sur le jeu. Donc c'est parti. C'est parti. On va essayer de voir ce que vaut cette voiture, parce qu'évidemment les niveaux des voitures sont... Bah, les Ferrari sont plus rapides, les McLaren plus rapides. Voilà, les Arrows sont plus lentes. Et la BAR, bah, en tout soit peu, c'est une voiture qui est pas très rapide non plus, hein, même si elle a eu quelques coups d'éclat en 99. Notamment au Grand Prix d'Espagne par exemple. C'est une voiture qui malheureusement aurait pu marquer des points, mais elle n'était pas fiable du tout, sans compter le fait que les pilotes se plantaient assez régulièrement.
Donc, comme toute qualification sur les championnats que nous faisons, nous allons faire maximum 2 tentatives. C'est-à-dire que là, bon, ça va être un peu plus long, parce qu'on a fait un tour de lancement, puis 2 tours de qualification. Mais ça sera rattrapé par le fait qu'il y a uniquement que 10 tours à faire et pas 12 ou 14. Donc en temps de vidéo, ça devrait pas être trop long. En espérant aussi qu'il n'y ait pas de crash ni rien. C'est vraiment ce qui me fait peur parce que vraiment, ça serait dommage voilà, de faire des bonnes courses à chaque fois et je me retape à retenter à nouveau. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va arriver. Donc dans le dernier secteur, ce qui est bien, c'est qu'on a une piste claire, on n'a aucun pilote autour de nous. Allez, c'est parti. Alors le jeu, voilà, bon, ça reste quand même un peu de l'arcane, hein, vous aurez compris. On a beau mettre les réalismes au maximum, ça va pas être non plus exceptionnel. Et donc c'est parti pour le premier tour de qualification de la saison 99. L'objectif, bien entendu, ça va être d'être champion du monde, mais à mon avis, avec cette voiture en mode difficile, ça va être très 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 compliqué. Je vous ai dit, j'ai fait un test déjà à l'avance avec un mode moyen et le mode difficile. Le mode moyen, suivant le circuit, c'est que c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Alors, j'ai fait le test avec une Williams, une voiture de milieu de tableau. Sur d'autres circuits, ça devenait plus facile. Du coup, je me suis dit, j'ai passé en difficile. Et en difficile, effectivement, on est entre les deux. Mais ça reste quand même vraiment vraiment compliqué. Vous voyez, j'ai déjà 9 dixièmes de retard au premier secteur. Alors je sais qu'il y a des secteurs où on va être plus rapide qu'eux. Et d'autres où ça va pas du tout être le cas. Et 2 secondes de retard ou d'avance, je sais pas, je suis allé trop vite. Wow. Et du coup j'ai perdu un peu de temps. Donc les voies, ça va être Van Viet. D'ailleurs, ça me fait penser que l'on va, après ce tour-là, je vais corriger aussi un réglage graphique que je n'aime pas trop. On va mettre l'affichage en solide, en fait, au niveau des écritures. Ce sera beaucoup mieux. Allez, on va voir le temps qu'on va faire. On sent que la voiture n'est pas très rapide quand même, hein, en vitesse de pointe, mais bon. On est 14e. Alors, attendez, option d'affichage. Ouais, je pourrais même désactiver, mais on va quand même solide. Non. Voilà, on va faire retour arrière. La carte, le zoom, on va le désactiver. Rotation et piste, on va pas le mettre. On va laisser comme ça. Et on va laisser la carte, parce que finalement, c'est pas mal. Et on va faire continuer. Voilà, 14e temps, 3 secondes de plus lent. Je vais essayer de voir si je peux faire mieux quand même dans ce tour-là. Alors dans la réalité, nous allons surtout essayer de marquer des points. Parce que c'est... Voilà, on va essayer de faire mieux que BR. BR a marqué 0 points, j'ai envie de dire, ça va être facile. Mais peut-être pas, hein. Peut-être pas. ,5 secondes au premier secteur. Oh my god. Voilà, si je prends bien la dernière chicane, normalement ça devrait le faire. On va récupérer un peu de temps. Alors faut pas se fier au temps de qualif, hein. 3 secondes ça paraît ultra long, mais c'est pas pour ça que... Ouais, là par exemple je suis à moins 0,6. Ça veut dire vraiment que l'IA n'est pas constante sur le tracé. Et là je pense que je l'ai bien pris, donc on va peut-être pouvoir gagner un peu de temps. Et un gros piège aussi au niveau des voitures, c'est que si on freine trop fort, la voiture peut partir instantanément de l'arrière. Je pense que j'ai fait un peu mieux, même si j'ai loupé mon premier secteur. On va voir. Et non, j'ai même pas amélioré, hein, 3 secondes 6. Donc, fin de qualification, on va partir 15e sur la grille, on le voit là, 1.27.961. Ben on va faire course, hein. Le réglage avait l'air pas trop mal quand même. On peut faire aussi le warm-up du matin, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs, hein, mais... Voilà, donc on va faire course. Et vous voyez, désactivé, il n'y a pas de consommation d'essence. En pole position, Michael Schumacher. Je vais peut-être augmenter un peu le son. Et en troisième place, nous retrouvons David Coulthard. En quatrième, Eddie Irvine. En cinquième place, Heinz Harald Frentzen. En 6e place, Damon Hill. 7e place, Rubens Barrichello.
En 8e position, Jean Alési. 9e place, Ralf Schumacher. 10e place, Jacques Villeneuve. 11e position, Johnny Herbert. 12e place, Alessandro Zanardi. En 13e place, Pedro Dini. Ah, notre équipier est par 10e, hein, donc déjà il nous a battus. 15e place, Mika Salo. 16e place, Olivier Panis. 17e place, Jarno Trulli. En 18e place, Giancarlo. Par contre, Fisichella part super loin. Hein. 18e place, Pedro de la Rosa. On a les deux Aros et deux Minardi en fond de gris, ce qui est logique. Vous allez voir, il y aura pas mal d'abandons aussi pendant la course. Et peut-être aussi, peut-être nous, hein, parce que vous allez vous souvenir, dans les fins 97, on a eu des courses où ça a abandonné. Donc, ben, on va arriver donc au départ de la course. On va faire start. Alors j'ai plusieurs vues, mais je vais garder celle-là, qui est quand même la plus intéressante par rapport à l'IA. Allez, c'est parti, départ, on a la Benetton sur le côté, on va essayer de vite se caser à l'intérieur. Ah, la Benetton qui semble beaucoup plus rapide. Attention au freinage. Et dès le départ, on a perdu une place sur la Prost. Et une encore une sur la Benetton, Manilon. Aïe, on a touché. On dirait qu'ils se sont légèrement accrochés. Ah, je pense que j'ai fait un mauvais réglage, hein, bizarrement. Ah, j'ai pas beaucoup de vitesse. Ah non, la vitesse est trop faible. J'aurais dû en fait dès le départ. Non, j'ai pas fait attention à ça. Malheureusement, ça va me porter préjudice. Alors, il y a l'aspiration, hein, donc je peux quand même essayer de dépasser à l'intérieur. Mais vous allez voir que les IA. Ah, je me suis loupé. On est 17ème. Alors, 10 tours à faire. Ça sera toujours 10 tours normalement, donc ça veut dire que par exemple, le Grand Prix Spa sera un peu plus long, le Grand Prix Monaco peut-être un peu plus rapide. Oh, vous avez vu le vent qu'ils m'ont mis? Oh la vache! Ah, ils m'ont mis. Alors peut-être que du coup, je peux prendre le virage plus rapidement que ça. Hein. Oh, un abandon devant! Je crois que c'était une Benetton. Alors, Schumacher est en tête devant Hakkinen, Coulthard, Irvine, Frenz and Hill. Sachant qu'en 99, les deux McLaren qui étaient en tête, hein, avaient abandonné coup sur coup son problème mécanique. Et voilà, Schumacher, meilleur tour. Alors, Melbourne, c'est difficile et c'est dans ce jeu, c'est normal. Hein, vraiment, il y a un pic de difficulté ce tracé. Ah, par contre, ce qui me tue, c'est vraiment le secteur. Oh, le temps perdu, c'est incroyable. Alors, Fisichella a abandonné au tour 1. En vrai, qu'en moyenne, il y a entre 3 et parfois 5 abandons, mais pas plus. Et ben voilà, ça a abandonné derrière aussi. Du coup, on va pouvoir rattraper la Benetton et la déplacer. Et on est 14ème. Donc je dis c'est Van Viet qui va nous accompagner toute la saison. Je suis complètement loupé. Ça a donné une opportunité peut-être à Fisichella de me dépasser. Alors faut que je profite du fait que j'ai des ailerons, beaucoup d'ailerons quand même dans les virages pour freiner peut-être un petit peu plus tard et prendre les virages beaucoup plus vite. Ah, ça me permet vraiment de prendre les parties lentes rapidement. Alors, Schumacher, Hakkinen, Irvine toujours en tête, Coulthard, Barrichello 7ème, Schumacher, Villeneuve. On est 14ème. Ouais, j'ai beaucoup de grippe, faut vraiment j'en profite. C'est la seule solution, et de prendre l'aspiration peut-être sur la Sauber à l'intérieur. Voilà, c'est bon, je suis passé, du coup il va pas trop m'embêter. Ouf, on s'est passé à l'intérieur. Alors je peux avoir des problèmes mécaniques, j'espère qu'on n'en aura pas beaucoup, même si la barre n'est pas fiable du tout. Je sais pas si ça va se reproduire dans le jeu. Ah, j'ai tapé un peu. Alors vous voyez les dégâts ils sont incomplets, mais pour l'instant on n'en a pas, enfin visuellement en tout cas. Mais vous verrez que souvent on va avoir l'aileron plié. Ce qui n'a pas un grand impact en soi. Hop hop hop, ben voilà, là je l'ai plié par contre.
Ouais, et du coup j'ai perdu beaucoup de temps. Alors je vous ai laissé le circuit, pourquoi vous comprendrez, bah, tout simplement pour voir où on en est par rapport aux autres. Et vous voyez qu'il y a un peloton énorme qui s'est formé entre nous. Mais au-delà de la 10ème place, oh mon dieu, le vent qui me met la chicane. Par contre je rattrape largement ici. Ah, je l'ai encore tapé. Anyway. On dirait qu'ils se sont légèrement accrochés. L'IA n'est pas très doué sur ce jeu. Elle essaye quand même de nous couper la route. Avec une telle facilité. Mais j'ai plus d'ailerons que toi, donc normalement ça devrait passer plus facilement. Et donc voilà, on est 11ème. Et vous voyez que sur la ligne droite, ils sont quand même assez loin. Voilà, 5 secondes, 2 secondes entre moi et Alizy. Ah, j'ai loupé. Je suis allé trop loin. Et donc moi je suis le point vert, hein, au passage. Oh là là, la Williams qui va me dépasser largement. Vas-y, elle va se recaler au milieu. Je vais essayer de passer à l'intérieur. Ah non, ça passe pas. Il semble que ces voitures se sont légèrement heurtées. Il remonte rapidement derrière lui. Ah, je fais n'importe quoi là. On va essayer de se reconcentrer. Et vous voyez le gouffre qu'il y a entre nous deux là et les autres. Ah, elle est plus dure, c'est ça. Hein, c'est ils ont tendance à bouger vraiment de leur ligne. Et du coup, on est totalement surpris à chaque fois. Quand on veut passer à l'intérieur ou à l'extérieur, bah, c'est trop tard. Voilà, ça passe bien. Il a arraché une partie du mur sur son passage. Alors, faut que je fasse attention quand même, pas trop casser la voiture. Même si on est en complet, le jeu est quand même assez assez sympa sur les chocs. C'est pas comme on a fait en 95 ou 97 où la moindre touchette, bon, on perdait à chaque fois l'aileron, même 98. Là, le jeu est quand même... Les voitures sont beaucoup plus solides. Allez, mission, essayer de rattraper les pilotes devant nous. J'ai déjà vu le Sauber, voilà, dans le freinage. On va arriver à mi-course. Alors on est bien revenu. Il réduit l'écart qui les sépare. Oh, à l'extérieur sur la Sauber. Oh, la remontée. Et on a notre équipier devant. Oh, pouf. Attention. Et vous avez vu, dans les parties lentes, la accélération, on est vraiment meilleur. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Oh, devant, il y a une voiture qui... Oh, c'est une Ferrari en plus. C'est une Ferrari. Alors, je sais pas si c'est Schumacher ou Irvine. En tout cas, ça nous a permis... Ah, mais c'est pour ça que devant, ils étaient tous lents. Et bah oui. Il vient de réaliser une incroyable manœuvre. Va-t-il réussir à le dépasser ? Ils se sont légèrement... Et on a tiré tout droit du coup. Aïe aïe aïe, on s'est touché. Ouais, du coup c'est pour ça qu'il y avait un gouffre devant. C'est parce que bah, quand une voiture qui a un problème mécanique, bah, souvent ils ont du mal à la dépasser. Allez, on est 10ème. Je pense que les points sont faisables. Hein. Si on remonte sur eux, c'est possible que l'on puisse marquer quelques points. Alors vous avez vu, hein, j'ai touché la voiture a tiré tout droit. J'ai perdu beaucoup de temps. Donc la 39 c'était Irvine. Oh, il y a un truc qui rentre au stand. Ah, il y a des arrêts au stand. Est-ce qu'il aurait pris beaucoup moins d'essence? Pourtant il n'y a pas de gestion d'essence, c'est bizarre. Du coup on est 9ème. Et c'est Hakkinen, hein, qui a pris la tête de la course. Et donc c'est Irvine, hein, qui a abandonné. Et donc je disais en 99, bah, les deux McLaren ayant abandonné, c'était Irvine qui s'était imposé puisque Schumacher était parti en fond de grille. Et Barrichello même qui avait le moteur explosé sur la grille, qui est déjà en train de prendre feu. C'est un grand prix, c'est chaotique. Et Schumacher qui avait dû se batailler contre les Arrows, contre les Minardi pour remonter et finalement... qui allait, je crois qu'il n'est pas marqué de points. Hein. Le point était revenu à De La Rosa qui avait fini 6ème. Oh, on est en train de tous dépasser, on est 6ème d'ailleurs. 5ème. Oh là là, vous voyez, je suis vraiment plus rapide dans cette portion. Par contre, c'est après que ça se complique. Oh, on est 3ème. J'aurais pas cru, hein, sincèrement. J'aurais pas cru. Et on va passer Schumacher pour la 2ème place. Oh là là, incroyable. On est en difficile quand même.
Quand je vous dis que l'IA n'est pas stable, c'est que vraiment... Elle n'est pas stable. Là, je suis dans la section la plus lente. Alors par contre, se battre avec les Ferrari et les McLaren, ça va être compliqué. Pour tester un peu avant, vous allez voir qu'on risque d'être souvent côte à côte. Il réduit l'écart qui les sépare. Aïe, ben voilà, déjà on a tapé. On dirait qu'ils se sont légèrement accrochés. Ce qui est bien, c'est que mon coéquipier est 7ème, il pourrait peut-être même grappiller un point. On va voir comment ça se passe. Il remonte rapidement derrière lui. S'il profite de par contre, la McLaren est vraiment beaucoup plus rapide à l'intérieur, ça passera pas. Allez, on a 7ème dédit tour à parcourir. Et donc, c'était, oui, comme je disais, c'est Irvine qui avait gagné la course en 99. Devant, il me semble, Frenzen et Ralf Schumacher. Ouais, je crois qu'il y avait trois voitures différentes sur le podium. Du coup, ça avait fait un début de saison. Ce qui est paradoxal, c'est de se dire que finalement, Irvine aura joué le titre jusqu'à la fin. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y a l'accident de Schumacher, mais... On dit souvent que Melbourne est une bonne représentation de ce qui va passer ou qui va être champion en fin d'année. Bah là on était presque pas loin. Et donc Arroz qui marquait son seul point de la saison sur cette course. Oui là autant j'ai rattrapé l'autre facilement, autant la McLaren c'est compliqué. Coupé. Mike Hello, il... Alors, il va falloir surveiller aussi les Jordan. On va dépasser le leader. On s'est touché, on part à l'extérieur. Oh là là, bah ouais, l'IA qui m'a mis complètement dehors. Et il m'a fait aller tout droit. Oui, donc il va falloir surveiller évidemment les Jordan hein, qui sont très très rapides cette année. Oh, à l'extérieur, magnifique. Et ouais, j'ai freiné un peu fort la voiture qui est partie totalement vers la droite. Et là, vous allez voir, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de se battre contre la McLaren. Et non, je peux pas, on va laisser passer. Normalement, les Williams et les Button qui vont être plutôt moyennes cette saison. Va-t-il réussir à le dépasser ? Eh ben non. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Il réduit l'écart qui les sépare. Et voyons, vitesse de pointe, c'est pas ça. En tout cas, ça serait bien de finir à cette place. On marquerait des points dès le début, on aurait objectif rempli. Après, je me doutais qu'on allait quand même pouvoir marquer des points. C'est un objectif vraiment de base. Oh, Barrichello qui est 6ème. 6ème, Vinak n'a pas vu une place par contre. Et du coup, bah oui, c'est Frenzen qui a récupéré la position. Ah, trop large, j'ai accéléré trop tôt. Pareil, freiner sur l'herbe, c'est pas le bon plan. La voiture a tendance à partir d'un coup. Il réduit l'écart qui les sépare. Alors si je gère bien là, et que je reste derrière lui collé, je vais pouvoir le dépasser ici. Alors accélération, ça peut être passé. Et non, Akinen qui est toujours sur l'intérieur. Il a la meilleure position, hein, ça va être difficile. Oh si, peut-être maintenant il s'est dédoublé. On va pas lâcher l'accélérateur. Et oui, c'est passé. Oh, heureusement j'ai des ailerons. Oh là, ça s'est joué au coude à coude. Oh, il a essayé de repasser. On dirait qu'ils se sont légèrement accrochés. Ah, c'est pas fini. Hein. Je pense que le dernier tour va être très très compliqué. Faut pas trop jouer de mes rétro, sinon je vais avoir peur à chaque fois. Ouais, il est à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Je vais me recaser devant lui. Et vous voyez, là, c'est pas comme FA97. Hein. Là, il va vraiment aller jusqu'au bout. Oh, je lui ai coupé la porte. Mais rien de bien méchant, apparemment. Par contre, là, je lui ai mis un vent du coup. Il est où?
Ah, la touchette là, ça l'a quand même bien stabilisé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il est pas loin quand même derrière. Ah, mais du coup, le dernier tour risque d'être un peu plus simple puisqu'il est pas, il a pas recollé. Et il est en train de revenir. Il est en train de revenir dans ses derniers derniers kilomètres. Non, ça va, j'ai réussi à bien prendre. Et vous voyez que derrière aussi c'est revenu, hein. Le troisième est en train de recoller Hakkinen. L'endurance de ces pilotes, tant physique que mentale, est époustouflante. Oh, il était juste derrière moi. Allez, dans la ligne droite, c'est bon, ça va passer. On va gagner la première course de la saison. Bah dis donc, ça aura pas été facile quand même. Même si, bon, on est au-delà des objectifs. Et donc voilà, donc deux Finlandais sur le podium. Mika Salo et Hakkinen. Schumacher va finir 3ème, 4ème Coulthard, 5ème Hill et Barrichello. Alors tout de suite, on va enregistrer parce que... Je vous dis, comme le jeu risque de cracher à un moment ou à un autre, pas forcément peut-être dans les menus, mais en tout cas en piste, c'est évident qu'on va se regarder à chaque fois. Donc la prochaine course, alors on a le classement final. Alors, du coup, bah, c'est Barrichello hein, qui récupère le point de la 6ème place, j'ai oublié de le dire, je pense. Du coup, au championnat pilote de Mika. Regardez, et c'est marrant quand même, on a quand même 3 pilotes qui commencent par les mêmes 2 premières lettres. Au championnat, bon c'est que la première course. Au championnat constructeur, on est premier, mais McLaren a 9 points, donc sur un point d'écart. Ferrari 3ème avec 4 points. 4ème Jordan avec 2 points. Et 5ème Stewart. Déjà 5 voitures dans les 6 premiers. Je peux vous dire que maintenant c'est plus trop le cas depuis des années. On va faire enregistrer 2 blocs Rocky. Ouais, pourquoi pas. Voilà, on retire pas la memory card. Ça vient de réussir, on va faire course. Et donc, on va se retrouver pour la prochaine course, normalement le Grand Prix du Brésil, si tout se passe bien. Alors attendez, je sens que ça charge jusqu'au bout, hein, comme d'habitude. Voilà, donc ça sera Interlagos au Brésil. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!